Ok, bonjour, chers acteurs du BTP. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois outils qu'il faut forcément savoir utiliser, parce que ce sont les outils que nous utilisons dans les bureaux d'études, qui sont des logiciels très très efficaces et très rapides dans le calcul des éléments comme des poteaux. Premièrement, je vous présente ce logiciel. Ce logiciel s'est écrit Bayer, comme ça, une version comme ça. C'est un logiciel qui te fait les poteaux, qui te permet de dimensionner les poteaux très très rapidement, en mettant les charges. Donc, c'est un logiciel qui te permet de très bien dimensionner le poteau, et puis de façon très rapide en fait. Ok? Donc, tu vas juste prendre les charges et tu mets les charges sur le poteau et automatiquement, tu as un très bon ferraillage et très propre en fait. OK? En dehors de ce logiciel, nous avons un autre logiciel. Maintenant, lui, c'est pour les semelles. OK? Lui, c'est Marina. C'est un logiciel qui fait les semelles. Donc, lui, il est dans les calculs des fondations. Il te fait des semelles isolées sous poteau. Voilà. Donc, là, on a pris un exemple d'une semelle qu'on a mis les charges qu'on a. Donc, ici, quand vous calculez, il te permet de mettre la contrainte, parce que c'est grâce à la contrainte que nous avons une section de semelle. OK? Donc, c'est un logiciel qui est très puissant. Lui, il te permet d'avoir le ferraillage et en même temps son coffrage. Donc, ici, c'est le plan de coffrage et ici, c'est le plan de ferraillage. Tout ça, c'est juste prendre une charge et mettre manuellement et avoir ça. En fait, le ferraillage de la semelle avec ce logiciel, maximum, c'est 1 minute. Maximum, 1 minute. OK? Donc, comme nous cherchons à gagner en temps, voilà les secrets des logiciels qu'il faut forcément connaître. OK? En dehors de ça, nous avons ce logiciel qu'on appelle Acapulco. OK? Acapulco, c'est un logiciel de ferraillage des poutres, comme les autres logiciels, comme d'abord. Bayer, comme on était sur les poteaux. Après, on a vu Marina sur les semelles, mais on ne pouvait pas s'arrêter seulement. Il faut aussi un logiciel pour les poutres. Ça, c'est Acapulco. En fait, les trois logiciels forment une famille, en fait. C'est une famille. Ici, c'est Acapulco. C'est un logiciel qui te permet de ferrailler les poutres. OK? Vous voyez comment est ce ferraillage. Il est propre. OK? Il te permet de mettre plusieurs informations que tu veux. Plusieurs, et je dis bien plusieurs informations que tu veux. Tu as un tableau de ferraillage, tu as un ferraillage, tu as une coupe, tu peux ajouter d'autres éléments ici. Ici, ça te permet de mettre tes informations. Par exemple, quand j'étais ici sur ce logiciel, tu vois société, adresse et le numéro de téléphone. C'est parce que j'ai pas mis, mais sinon, dans la formation que j'ai, parce que je possède cette formation sur Marina, je suis Acapulco pour te permettre de dimensionner les poutres. Et sur Bayer te permet de dimensionner tes poteaux. OK? Voilà les trois logiciels qu'il faut obligatoirement apprendre. Je reprends. C'est obligatoire. Les trois logiciels-là, c'est obligatoire. Même si tu utilises Revit, tu utilises Robo, voilà les trois logiciels obligatoires à apprendre. Pourquoi? Parce que tu peux aller dans un chantier, on te dit que cette poutre ne passe pas. Tu ne vas pas prendre Revit pour pouvoir faire ceci. Non. On te dit automatiquement, on a besoin des résultats dans 2 minutes. OK? Du coup, si par exemple c'est une poutre, du coup tu prends Acapulco rapidement. Moins d'une minute, tu fais sortir le ferraillage. Tu donnes le ferraillage, tu imprimes, tu donnes le ferraillage. OK? Tu n'es pas obligé de modéliser un élément pour pouvoir avoir ce ferraillage. Donc, il faut apprendre ça. Voilà.